nuages noirs ont envahi le ciel. Dans la tempête j'ai lutté, submergé par des vagues démentielles. L'océan s'est déchaîné, soudain je fus jeté par-dessus bord. J'étais perdu, mais alors quelque chose m'a ramené à bon port. Ben voilà, c'est quoi? Merci. Quand tout fait naufrage, quand tout coule, quand ton univers s'écroule, quand tu crois qu'il n'y a rien à faire, reconduis-moi sur la terre. Dexter est une pieuvre infâme, une créature du diable au but précis. Ne sera heureux que lorsque tout le monde à quel jour lui sera soumis. Et lança ma main dans les grands fonds, Flipper et ses amis des profondeurs. Et au petit Bouffy aussi, nous défend toujours avec ardeur. Sale vaurien, mangeur de bernacle. Tu dis au pirate Long John Dexter où est cachée la carte du trésor. Oui, où la carte de ce trésor est-elle planquée? Où tu peux faire ta prière, t'as compris, mon pote? Ouais, bah tu peux toujours rêver, c'est non. Et tu ne pourras pas m'y obliger. Tu me le dis ou je te balance comme un muscle au requin. Oh non, pauvre Bouffy. Recule, espèce d'abominable boursouflure prétentieuse. Qu'est-ce que c'est? Si tu veux la carte du trésor, tu devras affronter le capitaine Flipper. Recule, John Dexter. Je vais d'abord te transformer en sushi, Flipper. Oh, regarde, non. Prends ça, Dexter. Et puis ça, et encore ça. Oh, capitaine Flipper, tu es trop fort pour moi. Je ne suis qu'une pauvre pieuvre froussarde, pleurnicheuse et pitoyable qui ne peut... Ont été renversés, c'est toi le marsou impitoyable. Prends ça. Et ça. Encore ça. Oh, Flipper. Qu'est-ce que vous espérez, hein? Un cartoon? Quant à vous trois, imbécile, que faites-vous là? Nous? Oui. Nous regardions un spectacle de marionnettes. T'aurais dû voir ça. Il y avait cette pieuvre géante qui effrayait tout le monde. Je vais vous donner des frayeurs si vous ne trouvez pas quelque chose d'épouvantablement diabolique. Vous verrez une pieuvre encore bien plus effrayante. Vous savez que ce n'est pas dans votre intérêt d'être de gentils requins.
les masques. N'oubliez pas, Corias, messager. Soyez les bienvenus dans la boutique de Madame Pomponné. Alors, que puis-je faire pour vous? Oh, regardez-moi toutes ces affreuses caries. Vous devriez essayer ma super pâte dentifrice spéciale caries au goût de poisson et qui s'engage à vous faire arrêter ces saletés de sucreries. Peut-être qu'il faut tenter une autre approche. Qu'en diriez-vous si nous agissions gentiment? Excusez-moi, mes copains requins et moi-même, nous voudrions vous voler vos sous. Vous voyez, je l'ai terrorisé avec mes bonnes manières. Je ne crois pas que c'était toi. Fichez le camp. Gambas. Oh, mais nous ne sommes pas des gambas, nous sommes des poissons carnivores. Et nous en avons l'allure. Et il n'y a pas assez de chambres dans cette cité pour tous les six. Tu as raison. Alors nous, les dents de scie, nous prenons le pouvoir. On les a rossés. Passe-moi ton trésor, ou nous te ferons ce que nous leur avons fait. C'est la même chose pour toi. Refais-moi tout ton or, mon vieux. Ouais. Pas mal pour un commencement. Dites donc, sale voyou, rendez-moi ce que vous avez volé. Oh, on veut jouer au gros dur. Chopez-le dans le ciel. Pas seulement dur, très malin. Voyons ce que tu feras devant le plus grand requin du monde. J'arrive. Comment se fait-il que tu n'aies pas peur, hein? Comment est-ce possible? Parce que j'ai pas peur des brutes. Enfin voyons, géant, tu peux pas laisser impitoyable petit dauphin te ridiculiser en prenant dessus. C'est hors de question. Attrape-le, tu es bien plus grand que lui. Ha! Plus ils sont grands, plus dure est la chute. Mais j'aimerais mieux qu'ils se jettent pas sur moi. Oh oh! Ah, montre-toi, montre-toi, où que tu sois. On ne craint plus rien ici. Mais je ne sais pas, c'est un requin géant. C'est pas un requin qui va m'effrayer. Je vais le frapper, et le rouer fou, et lui défoncer le portail. Ça vous est... Je vais chercher de l'aide. Faites place au futur champion du grand concours annuel de plongeon d'Iloka. Vous êtes un grand sorcier, Kerava. Pensez-vous que mon fils gagnera le concours de plongeon? Eh bien, il te ressemble beaucoup. Il a ton courage et ta force, ton assurance et ton intelligence. Mais en fait, il n'est pas particulièrement gracieux, vois-tu? C'est à ton tour de sauter, l'opaca. Après toi, Nola. Oh, mais j'ai déjà fait les trois plongeons d'essai. Oh, que se passe-t-il, l'opaca? T'es lâche? Lâche? Moi? Je peux plonger aussi bien qu'un dauphin. Alors plonge! Je dois d'abord vérifier le sens du vent. Non! Quel beau plongeon! On dirait plus celui d'une tortue que celui d'un dauphin. Vraiment très amusant, Bolo. Oh, Bolo a raison. J'ai peur. Je ne serai jamais capable de plonger comme les autres enfants. L'opaca, viens vite! Un gang de Dancy est en train de terroriser Kezo. Dépêchons, dépêchons, dans les nouveaux trésors. Dépêchons. Nous n'avons pas
que ça a fait. Hé, tard pointu, pourquoi vous ne pillez pas des poissons de votre taille? Un humain? Je m'appelle l'Opaka. Oh oui, mais c'est très appétissant. Poule mouillée. Je ne suis pas une poule mouillée. Non, eh bien, voyons voir. On garde. Prends ça. Et ça. Sois prudent, l'Opaka. Les dents de scie sont usées. Celui-ci n'a que des crocs et aucun mordant. Hey. Laissez-nous sortir! Chef, j'ai coincé les bandits. N'es-tu pas fier de moi? Ouais, c'est extra, petit. J'en ai coincé un, moi aussi, à leur place, ce rocher, devant l'entrée, pour qu'ils ne s'échappent pas. C'est toi le patron, chef. Hé! Hey, laissez-moi sortir! Beau boulot, géant. Oui, merci. Est-ce que tu penses que je peux faire partie du gang maintenant? Un jour, géant. Peut-être un jour. Chef, où as-tu pris tout ce trésor? C'est la chasse au trésor, géant. Voyons pourquoi n'irais-tu pas barrer ailleurs et tu en profiteras pour nous rapporter à manger. J'ai pas de chance. Comment se fait-il que je loupe toujours la chasse au trésor? Que du menu fretin. Voilà ce que c'est. Où est le fabuleux trésor de Kenzo dont j'ai tant entendu parler? Nous on sait. Nous ne pouvons pas le dire. Oui, nous ne sommes pas des langues de requins. Parce que nous avons juré de garder le secret. Eh peu importe, si vous nous voyez tous d'un coup, vous ne pouvez pas nous forcer à vous dire que Dexter, la grosse pieuvre, a volé tous les plus beaux trésors de Kenzo. Oups. Flipper, aide-nous. On étouffe là-dedans. Va nous sortir vite. Dépêchez-vous, nous devons libérer l'Opaka avant qu'il se noie. Oui, il peut rester sous l'eau assez longtemps, mais pas éternellement. Ça ne bouge pas du tout. Rassure-toi, l'Opaka, nous allons te faire sortir de là. Où sont ces sombres crétins? S'ils ne peuvent pas se débarrasser de Flipper, le moins qu'ils puissent faire, c'est me rapporter quelques beaux trésors. Ils arrivent, ton excellence. Fuis dans les temps. Quoi? Qui arrive? Rien que ton pire cauchemar. Sornette, jette-moi ces étrangers dehors. Je n'entends pas à cause de ce casque. Allons droit au but. Tu as un trésor. Quoi? Nous le voulons. Qui vous a dit que j'avais un trésor? C'est lui. Non, c'est lui. Oh non, c'est lui. Ouais, il l'a caché dans un endroit très secret. Ah oui? Oui, Dexter aurait jamais eu la stupidité de le planquer n'importe où. Oh oui, comme dans le placard ou un truc comme ça. Oups. Prenez le butin. N'essayez pas de jouer au plus fin. Nous sommes armés jusqu'aux dents. Oui, eh bien, vise un peu ça. Oh, c'est le chef. Et toi, si tu jetais un coup d'œil pour voir ce qui arrive? Tu m'as sonné. Nous avons trouvé le trésor, géant, et cet énorme et méchant de pieuvre essaye de nous l'enlever. Attends, tu ne veux pas qu'on se bagarre? Je sais où trouver un trésor qui dépasse tes rêves les plus déments. Où c'est? Ouais, où c'est? Laisse-moi m'occuper de ça et je te dirai tout. C'est oui, marché conclu. Alors dis-moi où il est. C'est Flipper qu'il a. C'est le poisson le plus riche de tout Kenzo. Non, c'est faux. Tu as raison, Balou. C'est le mammifère le plus riche de tout Kenzo. Tu prétends que ce minuscule blanc bec a un trésor? Oui, et il l'a mis à l'abri dans l'épave d'un bateau à la sortie de la cité. Cool. Mais tu ne le trouveras jamais si tu n'attrapes pas Flipper une bonne fois. Pour toutes. Dis, géant, veux-tu vraiment faire partie de mon gang? Ah oui, vous êtes mes meilleurs potes. Tu sais, vous êtes mes seuls potes. Quelle est la mission? Trouve ce dauphin et débrouille-toi pour qu'il quitte à tout jamais cette ville. Ah oui, à tes ordres, chef. Dépêchons vous autres. Pendant que géant fait le sale boulot, si nous on faisait,
La fête. Tu es un génie, patron. Ce sont ces requins qui se débarrasseront de Flipper pour toi. Oui, seulement qui va se débarrasser de ces requins? Vous le ferez. Tous pour un et... un pour tous. Et chaque requin pour lui-même. Vous pourrez pas essayer autre chose? Oui, s'il vous plaît. Carapace, il a une énorme ancre sur son navire. Peut-être qu'on peut l'utiliser pour pousser ce rocher. Oui, allons-y. Je poserais vite cette ancre si j'étais toi, Audi. Hé, hey, essaies-tu de dire que je suis pas assez constant? Non, non, ce n'est pas ce que je dis. Le pont n'est plus assez solide. Et maintenant, comment allons-nous faire sortir l'opaca? Il faudrait quelqu'un d'aussi costaud que ce requin monstrueux. Hé, hey, c'est ça! Demandons à l'énorme requin. Quoi? Serais-tu tombé sur la tête? Cette grosse brute n'aidera jamais personne. Oh, je n'en suis pas sûr. Tu ne peux pas toujours juger un requin à sa taille. C'est bien vrai. Et c'est malheureusement sa dernière chance. Je te dis que tu ne me flanqueras pas la trouille. Tiens donc, mais pourtant je suis le requin le plus effrayant de toute la mer. Oh, non, c'est fatigant. Désolé, tu n'es pas effrayant. Alors dis-moi ce que tu penses de ça, hein? La belle affaire! D'accord. Eh bien, ce truc-là te flanquera la trouille à coup sûr. Dis, tu es vraiment très doué. C'est très, très joli. Quoi? Très joli. Comment se fait-il que tu ne sois pas effrayé comme les autres? Parce que je suis intimement persuadé que tu n'es pas vraiment méchant, au fond. Tu as raison. J'ai horreur de la violence. Alors pourquoi adoptes-tu cette attitude? En fait, tout le monde s'y attend parce que je suis grand, ils pensent que je suis méchant. Eh bien, les grands gaillards peuvent être sensibles eux aussi. Ouais. J'ai toujours voulu être sculpteur. Mais tout le monde se moquait de moi. Je n'ai jamais eu d'amis. Oui, jusqu'à ce que Chef apparaisse dans ta vie, pas vrai? Oui, c'est mon meilleur ami et je vais bientôt intégrer son gang. Géant, avec un talent pareil, tu peux faire des choses bien plus intéressantes que traîner avec des escrocs comme Chef. Chef n'a rien d'un escroc d'abord. Il vient de voler la moitié du trésor de Kenzo. Il n'a pas volé, nous sommes des chasseurs de trésors. Oui, alors suis-moi, tu veux? Est-ce que ça a l'air d'une chasse au trésor? C'est vraiment Chef qui a fait ça? Ce sont ses empreintes! Mais il a dit que tu étais le cambrioleur! Qu'est-ce que tu en penses? Il m'a menti. C'est vrai! Je suis ton ami, Géant, et je suis un ami qui a besoin de ton aide! Mon aide? Oui, j'ai besoin de ton aide pour pouvoir libérer l'opaca de cette grotte! Tout ce que tu veux! Vas-y, Géant, pousse plus fort! Encore, continue de pousser! Ça bouge, Flipper, encore un petit effort. Ouais! Hein? Quoi? C'est toi? Calme-toi, l'opaca. Géant vient de te rendre ta liberté. Mais je croyais qu'il faisait partie du gang des Dancy. Non, c'est terminé. Ce ne sont rien que des menteurs et des escrocs. Oui, et nous ferions mieux d'aller voir ce qu'ils complotent en ce moment. On doit bien pouvoir trouver un truc à se mettre sous la dent. Voyez-vous ça? De la nourriture! Devons-nous les éliminer ou plutôt les filter? Et vous ne voulez pas nous manger? Nous sommes coriaces et très secs! Ce qui importe en fait, c'est que vous voulez manger des trucs frais. Vous avez une meilleure suggestion? Ah ouais, les humains qui sont sur l'île, ils vont souvent nager. Vous savez que ça a l'air très alléchant tout ça. Allons jeter un œil! Regardez, Kerava, j'ai le sentiment que Bolo va nous faire un plongeon exceptionnel. Nola, admire mon super extraordinaire plongeon de championnat. Bolo, sais-tu où est passé l'opaca? Ah, il est bien trop froussard pour se montrer. On se
s'est débarrassé de ce gang. Et des humains. Et maintenant, nous avons la cité tout entière pour nous seuls. Dites, vous savez où sont allés les Dancy? Qui veut le savoir, dauphin? Moi. Eh bien, ça change totalement le problème. Ils sont allés du côté de l'île. On s'offrira l'énorme Pester. Le concours de plongeons. Tout le monde sera dans le lagon, nous ne pouvons pas laisser les requins s'approcher d'eux. Le Paca va prévenir les villageois. Géant et moi, nous nous occuperons des dents. Oh, joli plongeon, Nola. Presque aussi réussi que le mien. Il y a des requins. Au secours. Hey, ils sont dans l'air. Peut-être que je suis un lâche, mais ce n'est pas ça qui va m'arrêter. Je dois sauver mes amis. Oh, l'opaca ! L'opaca ! Coucou ! Oh, l'opaca ! Mais où sont passés tous les requins ? Ils sont dans le filet. Mais tu as oublié le grand! Ne t'inquiète pas, Nola. C'est un ami. Puisque ces dents de scie sont parties, je peux rendre tous les trésors volés aux commerçants du marché. Les rendre? Eh bien, nous ne voulons pas que Flipper se voit accorder tout le mérite. Ah non, ça c'est une idée brillantissime, patron. Je comprends pourquoi c'est toi le cerveau. Voici la médaille pour le plongeon, chef. Et le champion du meilleur plongeon est... l'opaca. Toutes mes félicitations, l'opaca. Merci, Nola. Oui, toutes mes félicitations, l'opaca. Mais où as-tu appris à plonger comme ça? Un ami m'a appris. Merci, géant. Tu as pris la bonne décision en capturant ces requins. Merci à toi, Flipper. Tu m'as fait comprendre qui sont mes véritables amis. Eh bien, j'ai tout plein d'endroits à voir et des sculptures à commencer. Au revoir. C'est géant!